Welcome back. Welcome back, welcome back. Alors, là il me faut du papier calque. Alors, où est-ce que j'ai foutu mon papier calque? Là. On va le décalquer. On a déjà travaillé sur le dessin. Il n'y a plus qu'à le reproduire. Donc, on va récupérer ça. J'ai imprimé le bon format, tu vois. Oui, ça a l'air d'être bon. Donc, ça va, t'as bien mangé? Alors attends, hop, on va se pousser un peu ici. On va reprendre. Ce qui a été dessiné la dernière fois. Super, thon avec maïs, yaourt et sauce pimente, pas que ce soit sec, sur l'origine. J'ai envie de pleurer, mon dieu. Ouais, c'est dur. Hein. Moi, je suis pas vraiment au régime, mais bon. Je suis en jeûne intermittent, donc c'est pas beaucoup mieux. Donc on va reprendre le croquis qu'on avait fait il y a quelques temps. On va y ajouter des épaulettes bien plus grosses que ce que j'avais prévu. Ça fait une sieste rapide, il a fallu que je corrige quelque chose et du coup ça m'a bougé mon temps.
Donc, on va garder ça, mais par contre on va mettre de prendre des kilos et c'est difficile d'en perdre. Ouais. Tu m'étonnes. On va mettre ça comme ça pour l'instant. On verra le reste après. Donc, c'est du 2H, je vais pas faire grand chose avec du 2H. Je vais un peu baisser le son de la lumière parce que m'a l'air bien en forme le coco là. Il y a un truc qui pétarade un peu plus que d'habitude pour le roi de cœur, mais faut exagérer non plus.
Alors, le son et lumière, oui, quoi? Le son et lumière? Attends. J'ai pas compris, hein. J'ai raté un épisode. Alors attends, je pourrais vérifier que ça colle bien avec les autres quand même. Ouais, ça va. Tu as dit, je vais baisser le son de la lumière. Ah bon? J'ai dit ça? Oh putain la vache. Bon, j'ai peut-être retourné me coucher en fin de compte. Qu'est-ce que je peux raconter comme connerie, putain?
transfert terminé. Ça, j'ai plus besoin aussi. Où est-ce qu'il a atterri là? Ah bien en dessous. Je peux toujours le chercher. Ton crayon passe à travers le calque? Non. Pourquoi? J'ai jamais compris. On passait d'un calque à un papier. Bah tu viens de me voir faire. D'abord, tu dessines avec un stylo, par exemple, par transparence, par-dessus ton dessin que tu veux reproduire. Ensuite, derrière, tu mets du graphite, crayon de papier, assez gras, tu remets partout, et après tu le re-retournes, et tu repasses par-dessus ton stylo avec une autre couleur, comme ça tu sais où t'es passé, t'es pas passé. Et en fait, le graphite que tu as mis sur les lignes va se transférer sur ta feuille. Voilà, monsieur, c'est gratuit. Petit cours de décalcage. Smart. Bah, quand tu t'es emmerdé à faire un croquis et que tu as juste envie de le reproduire au propre, c'est pratique, ouais. Mais bon, tu peux faire ça avec n'importe quoi, hein, si tu as envie de redessiner une photo. Oh. Putain, 950 points de chaîne juste pour ça, c'est un peu cher, hein. C'est un peu cher payé. Maintenant, c'est là que ça devient intéressant. Donc si jusqu'à présent on n'avait pas envie de se frotter à aucun de nos orques, celui-là, c'est le roi. Donc, normalement, si je fais bien mon boulot, c'est bien le dernier à qui on a envie de se frotter. Il te reste combien? 365 500? Ouais, ça va. Effectivement. Quand la commande va tomber, ça va être du lourd.
l'assassin ne serait pas encore pire que le roi? Ah, l'assassin, non, il est sneaky, l'assassin. Enfin, le champion qu'on a vu tout à l'heure. C'est un peu ce qu'était le roi dans sa jeunesse, quoi. Mais celui-ci est tellement respecté et craint que on n'ose même plus le défier. Jusqu'à ce que quelqu'un le défie et qu'il se prenne une branlée et qu'il soit retraité ou mort, mais pour l'instant c'est lui. Patron, j'ai mis un essai de panier en osier sur Discord. Suis-je sur la bonne voie? Oui, sur la bonne voie. Tu l'as mis sur Discord. C'est déjà c'est la bonne voie déjà. Laisse-moi aller voir ça. Alors. Mais c'est un stylo. Ouais, oui, c'est quelque chose comme ça, ouais. C'est ça. Tu continues comme ça, tu fais des petits traits dans le sens du truc, tu mets de la petite texture, des petits points, toi, il y a des petits parasites, quoi, ce que tu es en train de faire, c'est bien. Et après, il faudra que tu, avec le noir, alors fais attention de ne pas tomber dans le piège de... Il y a un brin qui commence quelque part et qui finit nulle part. Et essaye de bien comprendre l'entrelacement, en fait, des brins, en fait. T'as les brins qui sont à la verticale, il faut que tu aies suffisamment de brins à l'horizontale aussi, qui passent devant. En fait, t'en as, il me semble de mémoire, hein, t'en as deux, et par rapport à la photo que je vois, t'en as deux qui passent devant, deux qui passent derrière, deux qui passent devant, deux qui passent derrière. Faut que tu le tresses ton truc, en fait. Hein. Faut que tu refasses le boulot du mec qui a fait le panier.
16h30. Faut que j'aille chercher Aurore aujourd'hui. Là, je mets vraiment les lignes que j'ai besoin pour la suite en place. Je crois que si on avait son... Ouais, on avait son gros muscle. Ok, on va gommer tout ça.
fermer ça. Alors, est-ce qu'on lui fait un trône ? Non, parce qu'ils ont le temps de sécher. Si tu fais pas de bavouze, ça sèche assez vite. C'est les bavouzes qui, en général, font des gros burps. Et donc, on va mettre de la fourrure sur son dossier. Allez, zou. Voilà. Je crois qu'on a tout, hein. Il n'y a plus qu'à s'y mettre. Bon, on n'a pas trop besoin du Posca. Ouais, en cas de besoin, il y a Posca encore.
Ce serait bien qu'on arrive à faire en sorte que tous les rois soient badass. Disons que tous les rois méchants, il faut qu'ils aient l'air méchants. Et tous les rois gentils, il faut qu'ils aient l'air gentils. On sache tout de suite si tu fais partie des gentils ou des méchants. Après, il y en a peut-être que c'est un peu plus ambigu, tu me diras. Hein.
Depuis le temps que Manu veut que je fasse un croc cassé. Voilà ton croc cassé. Il a un petit côté Hulk hein, quand même. Tout à coup, je trouve. Je sais pas si c'est les yeux ou si c'est le vert du visage, mais tout à coup, j'ai l'impression d'avoir d'être face à face à Hulk.
pas l'air commode ton roi, en effet. Non, lui, faut pas trop l'emmerder. Il a l'avantage d'être assez... assez balèze. On est sur un orc aussi grand que ce World of Warcraft par rapport aux autres qui sont un petit peu plus petits. Celui-là, c'est un géant. Donc comme tout marche par la force chez les orcs, bah forcément, ça fait quelque temps qu'il est sur le trône. Je crois que c'est plus sage, hein. Si tu veux pas qu'il augmente même.
Qui me parle? Et Coco qui sont en train de boire un café sur le port de La Rochelle. Ça va la vie, elle est belle. Un petit Lipton, pêche, un petit Orangina. Eh ben... La belle vie là-bas, ah oui, ça c'est la belle vie, hein. Putain, c'est sûr que ça leur change. Ils vont s'emmerder en revenant. Passe sur la passerelle de la gare, nous avons fait un vœu. Ah, première fois, je pense. Première fois que l'on passe sur la... Ok, d'accord. Dis donc. Bon, par contre, je sais pas quand c'est que je vais revenir sur ce roi. Parce qu'à partir de ce soir, le roi est en vacances. Donc, je sais pas trop ce qu'on va se planifier.
pense qu'elle va finir la semaine tranquille à se reposer, mais après, on va peut-être faire des trucs. Je dis peinture, ben normalement oui, mais je sais pas, on verra selon ce que veut faire Aurore. Bah déjà jeudi matin ça va être compromis parce que j'ai mon bois qui arrive, donc il va falloir que je le rentre. Alors ce qui est bien c'est qu'Aurore est en vacances, donc du coup elle va m'aider et ça va peut-être déborder sur l'après-midi, donc ça se trouve ma journée peinture va être corrompue. Bien sûr, je vais pas lui laisser les lèvres aussi roses, hein, parce que là, il a l'air un petit peu ridicule. Ah, nouvelle trottinette reçue, gamin content. Ah bah oui, c'est vrai, la trottinette. Le gamin, il avait déjà oublié qu'il avait perdu sa trottinette. Passer à autre chose, c'est bien. Vert là. Ouais, c'est vrai, ça ne marche pas très bien. Ça, c'est du vert, ça, il me semble. Ouais, il est pas mal en plus. Ouais, je sais, c'était Alduin qui me surprend avec ce genre de truc aussi. Là, un peu moins maintenant, mais quand il était plus petit, il se rappelait de trucs qui se passaient en Irlande alors qu'il y en avait deux, quoi. Les choses qu'on faisait dans la maison quand on était en Irlande. Bon, il s'en rappelle plus maintenant, mais... Des éponges, ouais.
c'est pas chez vous cette année, mais chez moi depuis juin. Dès que je j'ouvre la fenêtre du balcon, j'ai 4 ou 5 mouches qui rentrent direct. Attends, moi j'habite à la campagne, d'accord? Si je laisse ma porte ouverte, c'est 20 mouches que j'ai dans la cuisine. C'est comme ça tous les ans, dès qu'il fait chaud. Depuis que je suis arrivé ici. Après, le fait que tu sois en ville, ouais, c'est peut-être les poubelles, je sais pas. Il n'y a pas des poubelles qui sont pas bien ramassées ou une connerie comme ça. Oh, les mouches ici, c'est une catastrophe. Hein. Carrément obligé de laisser le truc collant dégueulasse là qui pendouille du plafond parce que c'est ce qui est le plus efficace. Quand on mangeait dehors, elle nous volait notre viande dans l'assiette, carrément. Ils sont quand même balèzes vos mouches. Tu confonds pas avec des mouettes. J'ai raté un message. Alors que pendant notre semaine de vacances à la montagne, pas trop de mouches, mais plein de guêpes. Ah oui, premier jour, le petit s'est fait piquer. Ah oui, c'est moins cool ça. Assaut continu, c'était vraiment désagréable. Ah putain, ouais. Ah ouais.
C'est un peu mieux, chef? Laisse-moi regarder. Oui, on a plus l'impression que c'est tissé. En tout cas, celle de gauche. Ça, celle de droite, c'est un peu plus le bordel. Mais oui. Maintenant, faut que tu mettes un peu plus. Alors, fais attention au brin. Si tu regardes à gauche, on monte en haut. Tu as 1, 2, 3, 4. Le quatrième brin, il part sous la barre et on le revoit plus. Il faut quand même qu'il y ait une logique, on arrive à suivre un petit peu tes... Et puis comme si ça suffisait pas, ce que je t'ai dit tout à l'heure, il faut que quand tu passes devant une barre verticale, la barre verticale d'après, tu passes dessous, un coup devant, un coup derrière, un coup devant, un coup derrière, sinon tes brins ils tiennent pas. C'est pas du hasard hein, ma petite dame. C'est vraiment tressé. Il faut que tu retresses ton panier. Ah, il est cassé. Ah, il est cassé. Alors, mais ça change pas le fait qu'il faut que tu passes devant, tu passes derrière, tu passes devant, tu passes derrière. Donc, si tu en as deux qui passent devant, la barre d'après, il passe derrière. C'est comme du tricot, c'est pareil.
Ah ben, c'était pas un petit carré d'essai. Je crois que c'était un petit carré d'essai pour essayer de comprendre comment ça marche. Bon, après le Posca, mais il vaut mieux que tu. En fait, ce qu'il faut que tu fasses, je t'explique comment on fait un panier. Tu as tes arceaux qui sont là. Ok. Et ensuite, tu en as deux. Si tu décides qu'il y en ait deux qui passent devant et deux qui passent derrière. Et ensuite, donc ceux-là sont passés devant, ceux-là sont passés derrière. Ceux-là sont passés devant, ceux-là sont passés derrière. Et donc après, tu en fais passer derrière. Tu peux faire un endroit où il y a un petit trou ici. Merde, j'ai fait deux fois la même chose. Je me suis trompé. Ah ah! Là, il passe devant. Et là, il passe derrière. Là, il passe devant. Là, il passe derrière. Je sais pas si c'est très clair. Ah oui, bah oui, c'est ça, c'est bon alors. Alors, en gros, rien qu'avec ma démonstration, je me suis planté déjà. Là. Là, ça passe devant. Là, ça passe derrière. Là, ça passe devant. Là, ça passe derrière. Là, ça passe derrière. Ça passe devant. Etc, etc, etc. Donc là, je le fais en ligne droite, mais si ton panier il a des courbes, tu respectes les courbes de ton panier. Et puis si tu as envie que tes branches soient un petit peu tordues, tu peux les tordre, mais il faut quand même que tu suives un peu ce que tu fais. Il faut que ça ait du sens. Tu vois ce que je veux dire? Bon allez, 16h30. Moi, je vais m'arrêter là. Je sais pas trop quand c'est que je reviendrai, mais c'est une bonne mise en bouche de notre roi des orques. Je pense que y a pas de problème. C'est bien lui le roi. Je vais refaire un petit peu le point. On va faire une petite photo pour les. Pour la vignette. Hop. Ça, j'y pense pas tout le temps, mais c'est quand même mieux. Ça me permet d'avoir une vignette nette et propre tout de suite. Boum. Eh ben, écoute, on dirait que la musique s'est arrêtée. Ouais. C'est pas grave. On va aller voir qui c'est qui stream. Eh ben, c'est toujours un peu les mêmes. Tiens, on parlait de Synode Bush tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Je sais pas trop. Sculpting Chess Set. Oh. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Margot. Peut-être aller voir Margot.
lèvres un peu trop roses, ouais, t'inquiète, il va y avoir du rose, il va y avoir du vert dessus. Je vais pas le laisser comme ça, sinon, effectivement, on dirait qu'il a mis du rose à lèvres. Bon, Margot est en train de dessiner, de peindre des jolies petites loutres en pirate, hein, c'est mignon comme tout. Donc on va aller lui faire un petit raid. Et puis ouais, voilà, passez une bonne fin de journée. Moi ce soir je suis en spectacle, demain je suis en spectacle. En plus demain journée à bouger des cailloux, donc enfin faut que je déplace mon tas de gravats. Et avant que je déplace le tas de gravats, il faut que j'enlève l'herbe qu'il y a là où je veux mettre le tas de gravats. Bah oui, il faut que je fasse attention à mon dos évidemment. Le soir après j'ai un spectacle en plus, donc c'est un peu débile. Mais bon, faut le faire puisque jeudi il y a le bois qui arrive et le camion pourra pas passer ici. Donc, merci Squeezo d'être passé, merci Manu d'avoir tapé la discute. Attention à ton dos, tu filmes? Qu'est-ce que je filme? Il me semble que tu m'as déjà posé la question. Qu'est-ce que tu veux que je filme? Je suis en train de courir dans tous les sens sur la scène. Qu'est-ce que tu veux que je filme? Toi, tu veux voir le spectacle sans payer, c'est ça, hein? Ben, y a des morceaux sur le Facebook, là. Tu peux aller regarder. Bon, en tout cas, moi, j'y vais. Bonne fin de journée. À bientôt. Des gros bisous. Pose un trépied. Ouais, c'est ça. Je suis sûr qu'ils vont être d'accord. Il y a le dernier samedi, il y a Aurore qui est là. Peut-être qu'elle peut... discrètement filmer un peu. Salut, salut, moi je me casse dans 7 secondes, c'est automatique. Bisous, à bientôt, bye bye.